Une mosaïque d'images et de sons, un kaléidoscope pour les sens qui transforme le spectateur en voyageur, en route pour le Salento, dans l'extrême sud de l'Italie. Cette terre secrète, ce bout du monde posé entre Orient et Occident, se dévoile à travers Chaos, une installation vidéo-photographique. Chaos, un autre regard sur le Salento. L'objectif, c'était un peu de dégager un nouveau regard du Salento et puis de placer le public dans une situation un peu d'immersion où il va non seulement être confronté à des images, mais à des sons et puis à la musique et se retrouver immergé dans l'ambiance du Salento, vision Sisigambis, on va dire. La vision Sisigambis, c'est celle d'un duo d'artistes marseillais, Christine Coulange et Michel Manoyan. Ensemble, ils ont parcouru le monde avec toujours la même exigence, ramener de leur voyage des impressions neuves, fuir les clichés. Nous, on a décidé de s'attacher à des choses comme l'écologie, l'industrie, l'agriculture et puis les gens, en fait, la vie quotidienne. Donc voilà, c'est clair qu'à travers le son, la photo et la vidéo, eh bien, je crois qu'on a réussi à se décaler complètement des clichés, oui. Le voyage de Michel Manoyan, nomade inspiré, s'est arrêté trop tôt, il y a un an. Christine est seule sur la route désormais. Après le Salento, il y aura le Maroc, l'Égypte, le Kenya, Zanzibar, les Comores, de la Méditerranée à l'océan Indien. L'aventure Sisigambis se poursuit avec un credo inchangé, apprendre par le mystère.